Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Fang pour un nouvel épisode de Galaxy of Pain and Paper. Oui, donc je suis retourné. Alors on est où? On est là, voilà. On est sur Vassili. Et on vient acheter des petits objets. Alors j'en ai déjà acheté un et du coup je peux racheter un autre objet. Ouais, on a un deal, vas-y, alright. Voilà, paf, paf. Et tu vois, le mec il me donne un objet à chaque fois. Je raise mes damage by 7. Ah, c'est pas mal. Yes, c'est pas mal. En sachant que l'objet qu'il m'avait filé avant est quand même très très cool. C'était... C'était ça, je crois. Non, c'était pas ça. C'était ça. De 56 HP, j'ai pris un petit bonus de 56 HP, c'était quand même pas mal. Et là, on a dans nos gadgets... on increase nos dommages par 7. Ce qui pourrait devenir intéressant pour quelqu'un qui est un peu mou du genou, par exemple. Après, est-ce que ça va augmenter réellement tous nos dégâts? C'est-à-dire que là, on est sur du 65-80. Ah non, mais c'est ça, heal. On est sur du 23... 27-33. Si, admettons, je mets ça. 27-33, ça ne change absolument rien sur la puissance de son skill. Ce qui est un peu triste. Non, faudrait que j'aille mettre ça à quelqu'un qui est un peu mou du genou, par exemple. Ouais, SP2, c'est pas très grave. Parce qu'elle a pas beaucoup de points spéciaux, mais en fait, elle en récupère beaucoup. Enfin, elle a sa compétence qui lui permet de le faire gratuitement. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, quoi qu'il en soit? On rentre au vassal, hop. Au batal, le vassal. On remonte là-haut. On est riche comme Crésus, d'ailleurs. Déjà, plus tard. Je viens de dépenser l'argent, j'en ai déjà. Ce qui m'intéresse, c'est de débloquer toutes les classes. Donc, on va aller débloquer une classe. Sur la planète d'eau, le cyborg, le scientifique. Moi, j'ai envie de débloquer un cyborg. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, des histoires, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de chaussettes, il n'y a que du fromage. Et que du fromage avec ou sans moisissure. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire du fromage sans moisissure? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du fromage? C'est tout ça. Enfin, des histoires compliquées. Nous, on veut juste tuer des gens. Les questions compliquées, on laisse ça aux autres. Voilà, aussi simple que ça. Bienvenue à Tokyo. Bref, il y a des choses à faire. Go. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? On est à Tokyo classique. Ah oui. Mais non, mais je suis pas à Tokyo classique là. L'équivalent de Tokyo, mais c'est pas Tokyo. Ça y ressemble vachement en tout cas. Mais non, c'est pas la même, c'est pas le même endroit. Tu veux de la gabargite, ma gueule? Bah attends, je vais te trouver ça, poulet. Hein. Je vais te trouver de la poubelle. La gabargite. C'est bien trouvé, hein. Oh, je trouve qu'il y a des idées de génie dans ce jeu quand même. On oublie trop souvent de le dire. Je pense qu'on doit avoir ce dont tu as besoin. Ma gueule a sermenté. Il nous a rien donné encore. C'est cool. Parler aux gens. Le Sand Raider encore? Ah mais arrête de me demander de raquer, gros. Ah mais c'est toujours le même qui lui court après. Non mais ouais, tu vas encore nous demander de raquer, bien sûr. Alors. Voilà. C'était bien. Ok. Leur petit numéro à deux là. On se demande si c'est pas préparé pour attisser du pognon cette histoire. C'est un peu trop. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens disent.
Ring shirt brings the bad luck, red, red shirt. Okay, c'est vraiment juste des quartiers. Il y a des vrais shops ou pas là, parce que... Que dalle, hein. C'est vraiment juste de tierce case. Attends, avant d'y aller, il y a des coins de map. Voilà, il y a des poubelles à trouver. Allons trouver des poubelles. Oh là là, cool. Je trouvais un sac poubelle. Vous vous rendez pas compte, hein. En plus, il était plein. Ça valait trop le coup. Ah non, elle a trop de mémoire. Ok, ok, on la trouve partout, mais c'est pas pourquoi. Oui, génial, formidable. Alors, que se passe-t-il? Oh, un endroit charmant. Hein. Ouais, un scientifique qui fait mémuse avec un cyborg encore. Hein. Ça a l'air de pas être une très bonne idée, mec, si tu veux mon avis. Professeur Murphy, Colio vous a appelé. On the way here to send you on the errand. Ah, et tu veux que j'aille te chercher un errand. Donc, ce que t'appelles un errand, c'est ton druide. Ok, go yourself. Fais-le toi-même. D'accord, et donc il me prédonne du pognon. C'est ça? Ok, on peut y aller. J'ai toujours pas touché le cash. On peut déçu. Parler à madame qui veut pas des t-shirts rouges, parce qu'on adore ça. Tac 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 tac. Synthetic skull, will you take gold skull 400, steel tannic skull nul. Nul. En fait, si on veut prendre du bon, faut prendre ça quoi. Ok. Bon, on lui a acheté un crâne en or, visiblement. 400 balles. Je remballe. Un portable plutonium. 400 billets. Moi, je claque toute la baraque. Ouais, radioactif. Magasin suivant. J'achète n'importe quoi. Ça se trouve que le mec m'a dit exactement ce dont il avait besoin. Mais j'en doute pas d'ailleurs. Mais moi je veux que ce qu'il y a de plus cher. Y assister. Yes. Yes, 1200 balles. Hein. On a sorti pour 1200 balles. Self-destruct module. You want a bonus item? What's your take? Alors, first loop bypasser. Camouflage ici. Ok, on le verra jamais. Self-destruct module. God Engine. Moi j'ai envie de demander le God Engine. Yes! Yes! Vas-y, balance. Balance, nous, ça nous amuse. Ça nous amuse énormément. De toute façon, tu peux en faire un dieu et ça n'empêchera pas de se prendre des cartouches dans la bouche. Alors, d'abord on passe un niveau, voilà, tranquillou. Parfait. Vas-y, j'ai tout ce qu'il te faut, le vieux. Ah, je crois qu'il va râler un peu. Oh, il a l'air vénère. Oh, il a l'air vénère. Hein. What? Je crois que j'ai fait un deck un peu vénère. Je crois qu'il régénère 1250 par tour. Bon bah c'est perdu hein. Bon bah j'annonce c'est perdu. Alors je crois qu'on peut fuir non? Ah on peut pas fuir. Est-ce qu'on peut pas directement faire un main menu? Non on peut pas. Bon bah vas-y on va taper hein.
D'accord, donc il nous a siphonné tous nos shields. C'est sympa. Et il a pas encore tapé. Hein. Il est en 0 par tour. Ah, il régénère plus son bouclier. Bizarre ça. Ok, bon écoutez, on va le tabasser. Est-ce qu'il aurait des petits plantages qui se rapporteraient au plumage par hasard? Ok, c'est toujours pas régène. Ah, il met quand même des sacrés baffes. Hein. Il met des sacrés baffes. Pas croire. Pas croire, il se laisse pas crever. Hein. Pourtant, moi ça m'arrangerait bien qu'il se laisse mourir. Ok. Je sais pas ce qu'il a glandé, mais il l'a glandé. Hein. Qui va être aussi simple que ça à sortir en fait. Bon bah il est nul en fait. J'ai rien dit, le cyborg il était nul. Un temps de recharge. Et 50% de mon bouclier pendant 3 tours. C'est vénère quand même. Ça a une arme secrète, mais c'est quoi? Oh je comprends pas ce qu'il dit. Ah ça y est, ça nous rappelle le sorcier marne. D'accord. De keuf, de fluche. Moi je pense qu'il faut tirer dessus. Would you ask to have a look at the cyborg? Oran, il est un peu fêlé du ballon. Hein. On va bien appeler Alien. Hein. Parce qu'il y a un petit côté magicien derrière. Hein. Y a un petit truc chelou quoi. Il y a une petite teinte dégueulasse derrière. D'ailleurs, ce qui me fait penser. On est où là? Faut atteindre combien? 1850? Franchement, j'avoue, on pourrait faire un effort. Bon, c'est pas grave, on va monter. Ok, tout le monde a été régénéré d'abord. Ah bah si tout le monde est régénéré d'abord, je vais peut-être pouvoir éviter de le faire à chaque fois. Je rentre à ma maison. Yes. Alors. Ah les classiques, on aime. On aime les classiques. Hein. On va le ferrailler. Moi je me marre. Si on le ferraille, je me marre. Je vous croyais vraiment... Oh, moi je laisse tout tomber. Ouais, reste ici, mon gars. Ah bon, j'ai rien trouvé, c'était très intéressant. On a touché une obélisque. Ça nous a rapporté beaucoup d'argent. Musique du jeu celle-là, j'annonce. Tellement Trigun style d'ailleurs, tellement pensé à Trigun. Ok, tu viens voir notre robot bousillé là. Voilà, c'est notre robot. Il a dit je suis libre. Voilà, c'était bien ou pas? Le mec, on a rien à foutre de ce qu'il dit. Non, mais voilà, il part en sucette. Il y a une histoire de sombre pouvoir obscur derrière du mec qu'on a vu dans sa grotte.
D'ailleurs, ce qui est appréciable finalement, c'est que toutes ces quêtes-là se suivent un petit peu, enfin se touchent les unes les autres quand tu débloques les classes. Ce sorcier qui revient tout le temps. Le truc qui est un peu embêtant, c'est que vu que tout est énigmatique et en anglais, c'est pas toujours très agréable. J'ai corrigé quelque chose visiblement par mon action. Le vieux, il était vert, il est devenu violet. Hein. Moi, je tiens à préciser quand même. Yes! Et ben voilà. On a déverrouillé notre crétin. Eh ben écoutez, hein, s'il y a que ça, on va débloquer le dernier. Hein. Ah non, les deux derniers. Ah, va pour le smuggler. J'aime beaucoup. Hein. Ok, c'est parti. On les a toujours pas atteints. Est-ce qu'il nous manque 10? Ok, ça marche. Donc il faut aller. Hein. Ah, attends, il y a Grinette qui a passé un niveau. Un niveau 19 déjà. Et on a pris du level. On a pris de level ou quoi là? On a rien de temps. Très appréciable. C'est parti! Avec leur truc avec des têtes de grenouille. Est-ce que d'ailleurs ce serait pas un clin d'œil à Crazy Frog, toutes ces grenouilles? Enfin, pas Crazy Frog, c'est. Comment il s'appelle déjà? C'est. Je suis jamais venu ici. Intéressant. On trouve des océanites aussi là? C'est quoi? Ouais, c'est des océaniums aussi, ok. J'ai jamais vu là, hein, donc je que cher. Hein. Bah, c'est sympa. On est bien accueillis en tout cas. Juste voir ce qu'il y a par ici. Ouais, faudrait que je vois aussi si les monstres c'est les mêmes ou pas. Encore, hein. Ok. Et juste pour voir un peu les monstres locaux. C'est les mêmes. Ok. Alors, avec que des îlots fabriqués en métal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit clin d'œil à Waterworld aussi, hein? Ok, l'autre elle est folle. On la retrouve partout, mais elle est folle aussi. On retrouve des gens partout, ils sont un peu dingues. Oui, quête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, vas-y, dis-moi, j'en ai rien à foutre. C'est quoi la suite? This burglar asks you to look the other way, would you? No, you must have courage sur. Yeah, but I use the mirror to pick. Non, vas-y, hein. Ok. Visiblement, on est vénère, on s'embrouille un peu. Go, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on embrouille? Qu'est-ce qu'on embrouille? On est rentré dans le. Dans une underwater. Dans une base sous-marine secrète. Et on voit des gardes! Oh non, mais si c'est ça, les gardes. Non, mais vas-y, non, mais ouais. Ouais, ouais, vas-y, on va sneaky. Yeah, vas-y, on sneaky, vas-y, vas-y. Eh ben voilà, on l'a squeezé. Eh ben voilà. Donc, au plus profond de la base, on arrive à un champ de laser. Ah. Ouais, les lasers, c'est pas fun. Doctor New Way, try to disable them, proceed very carefully, just a step them. already. Ouais, genre on les embrouille direct. On va essayer de les désamorcer.
Ouais, c'était bien le fil rouge. Oh, il est trop chaud. On est des vrais ninjas. Un petit côté crapuleux dans le groupe. Il y a un don pour raquette les gens. Pour... Ah non, mais encore lui, là. Et tu es qui, Jean-Michel? Jean-Michel, es-tu qui? Qui es-tu? Oh non, mais il dit des trucs, il nous voit, tu vois. Alors, we trap in a physique room of some sort. To wreak its hold on us, we should cause an explosion. Convince ourselves to this dream. Hack the physique room. Moi, je serais plutôt dans le hacking, hein. Vas-y, on prend la dream room. S'y réveille des psychoplantes, des psychosynthétiques, de la drogue, de la défonce, de Glaven. Nice. On est descendu au niveau 4. Un tout spécifique DNA avec une ADN spécifique. Which me obviously don't have in that case. Let's. Pick the lock, call someone to open the door. Ah, le call the one, n'importe qui. Allez, vas-y, moi je pense que. Hello! Voilà, on est passé, on lui dit salut, bon, ça va? Tranquille, j'ai oublié ma clé. Le gars il fait ah bon, d'accord, bah vas-y, passe. Tranquillement. Alors, nous avons besoin de traverser to cross this long head setup room and fast. Let's soldier through. Oh, the temperature. Blow this room up. Ah, moi je ferais bien baisser la température. Je pense que les gens ils sont trop chauds. Ouais, hack away. Vas-y, go, on fout le dawa. Suspense. Ah, ça n'a rien arrêté. Ça a l'air d'avoir marché à peu près, hein. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord pelé le cul, il s'est rien passé, et après, en fait, toute la ferraille s'est congelée, s'est fissurée. Ok. Dû à un choc thermique probablement trop violent. You enter the main room. On rentre dans la salle principale afin de trouver le boss de la mafia. Vous êtes prêt à l'affronter, quoi, à casser des culs, quoi. Oh, il est stylé. Oh non, il est trop stylé. Mais je le veux dans mes copains. Il est trop stylé. Il est trop swig. Bon, même s'il balance du rose, hein. Il tire des trucs roses, le mec, hein, visiblement. Bon, on s'en fout, bref, il fabrique une bombe, lol, une bombe à toi, papy. Hein? Pardon? Boom. Find yourself back outside after the explosion, ok. Ok, je l'ai déverrouillé. Bon bah voilà, c'était une petite promenade assez rigolote. Bon, fallait faire des choix. Ah, c'était rigolo. Hashtag, on a beaucoup apprécié. C'était très rigolo, non? On l'a zappé un peu vite. Mais on en a capté, on dira, la substance essentielle. Alors l'autre qui va nous dire, ouais, il se passe encore des trucs. T'as changé d'œil, mec. T'as changé de couleur et maintenant t'as un œil qui a changé. Très bizarre, hein. Très étrange. Incroyable. On a débloqué le smurfer. Et j'ai envie de dire, là, on n'a plus le choix. Il faut absolument débloquer le suivant. Et d'ailleurs... Non.
C'est combien? Là, c'est 1850, normalement on l'a. Il faut absolument qu'on déverrouille l'autre classe parce que si la prochaine, le prochain palier nous demande de choisir une classe, j'aimerais bien tous les avoir. Parce que là, on caresse le niveau 20 en fait. Donc, est-ce qu'on se ferait pas un petit speedrun du scientifique? On a un signal qui rentre, vas-y, vas-y, un signal, ouais. Ah, oula! Drôle de gueule, toi. Toi aussi. Moi, je préférais le crocodile chelou. Hein. Ok, que la mission commence. Oh, c'est juste à côté. Tiens, regarde, il y a juste à passer. On se pose, on se sert. Voilà. Et on a 1000 balles sur soi, au passage. Même si idéalement, il nous en faut 2000. Alors, moi, je vois du pognon, je rassure du pognon. Hein. With some water before drinking. Oui, si tu veux, vas-y, fais ça. Yes, super, c'était bien. Des champignons, un espèce d'agglomérat de champignons. De la thune, hein, des sous. On va voir ce que veut ce type, mais la map est pas très grande, hein. Les maps sont moins en moins. Oh! Quelqu'un doit sûrement avoir besoin d'aide. Mais j'aurais dû prendre la thune. J'aurais été bête. J'étais bête. J'ai pris la répute. La thune aurait suffi. Hein? Encore toi? Je comprends pas. Les gens sont bizarres. Je pense que si c'était en français, ça m'intéresserait un peu plus. Bon après la mécanique m'éclate, naviguer entre le monde m'éclate. Et même si c'est un petit peu obscur des fois. L'autre ça y est, il m'a parlé d'e-sport encore. C'est pas trop grave. L'obscurité permet un peu de libre interprétation. Ah, encore un laboratoire de chimie. Oh putain, tu me fais peur mec. Vraiment, t'as l'air confiant dans ce que tu fais. T'as l'air de complètement maîtriser ton sujet. Hein. C'est ouf. Hein. Voilà. Ok. Le mec il crée des polarités inversées. Ok, non mais vas-y, fais des mini trous noirs dans ton labo, hein, mec. Hein. Écoute, t'as l'air de te dire que c'est une bonne idée. Je dirais hein. Rien. Ok, the formule Chiefs arrived. Quoi? La formule volée arrive. Allez. Trois swamp. Il faut défoncer 3 swamp man. Aussi, hein. Je t'en mets plus même si tu veux hein. Ils ont l'air nuls au sein. Ils ont pas l'air dingue hein. Mais bon, je suis pas là pour le zèle. Il faut que j'en défasse. Ouais non mais je vais peut-être prendre un petit bonus. Faut quand même prendre une pièce là parce que c'est ridicule. À 34, ah il bourre hein. Il bourre le furet hein. Ah oui, non, c'est vraiment le club des touristes, quoi. J'ai résisté au poison. T'es ridicule. Ah, il y en a quand même un qui a bouffé un peu.
On a des 1000 cartouches parce que là il nous fait honte. Hein. Là, on se tire de là. Ouais, ouais, bah ouais, bah et 3 clodos. T'avais pas plus balèze que 3 clodos parce que j'ai dû en mettre un quatrième tellement c'était des clodos. D'accord, c'était bien. Bah écoute, on va retourner à la collecte des champignons. Hein. Voilà, on aime les champignons, c'est magnifique. Excusez-moi, je ramasse un peu de thunes puisque je pense que bientôt. Ouais, ouais, vas-y, on prend l'objet, moi j'y crois à mort. Bonus de 7% de critical chance. De chance de critique. Ah, un bonus de 7%. Ouais, alors c'est le truc de Dragon Ball Z, ça. C'est très rigolo, c'est le truc de Dragon Ball. Ah, mais 7%, je crois que c'est devenu ridicule pour moi. Hein. Ça fait erreur de ma part. Si je vais voir quelqu'un de compétent en la matière. Ouais, 7%, c'est un peu nul, quoi. Lui, il a 15% de critical chance. D'ailleurs, tu serais pas un petit peu. Ah non, ça c'est critique dommage. Ah oui, ok, oui. J'avais choisi, c'est vrai, de lui augmenter aussi un peu son pourcentage de critique et pas que sa chance de critique. Bref. On se ramasse un peu de bouse. Scientifique laboratoire. Non. Attends, je sais plus où on va. Attends, arrête-nous là. On est censé aller où, non? Ah, il est là. Où on va là? Ok. Yes, il y a quelqu'un avec qui on a déjà parlé ici. Oui, oui, va te faire voir. Oui, super. Voilà. Ah, le monsieur bizarre. Ok, non, c'était pas une illusion, c'était bel et bien une menace. On va se friter contre un portail afin de le fermer, je suppose. 36 de régène par tour, 560 HP que 133 de shield. Là, une bonus front plus 10% de dégâts. Ok, qu'est-ce qui se passe? On est confus, c'est ça? Tiens, prends un peu de gasoil. Ah, comme ça tu sais où tu vas. Ah, il a résisté à la confusion. Bien joué, ma gueule. Et moi, avec mon bourrin, je pouvais pas trop prendre le risque. Hein. Fallait que je sois sûr qu'il soit pas confus. C'était pas une bonne idée de le savoir confus. Non, mais on va le taper basiquement. Hein. Ah, c'est ça, on va le zapper avec un max. Hein. Ouais, ça va, tranquille. Tranquillou. Bon, va falloir que je remette Dafty en mode healer, quoi. Donc en mode poison. Étonnamment. Ok. Good life. J'ai empoisonné un portail dimensionnel. Hein. Ouais. Alors moi je veux bien empoisonner un droïde, mais à un moment donné il faut arrêter la drogue. Hein. Ah, ça me permet de vérifier un truc. J'ai besoin de vérifier un truc, voyez-vous. Ok. Faut que j'enlève la confusion de mon pote tout de suite, hein, parce que j'ai besoin de vérifier quelque chose. Ah, ce n'est plus empoisonné. Merde. Ah, c'est embêtant ça. Je suis obligé de te revive. Hein. Il va falloir que je vais y racheter des boules magiques. Ah, tu nous as éclaté tout le monde. Ah, ce portail est un peu fâché.
Il y a un peu un gros niveau le portail. Hein. Puis zone des dégâts. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est que j'aille acheter des boules magiques. La boule magique. J'ai perdu beaucoup de fric. Hein. Wow. Oh, j'ai perdu beaucoup d'XP aussi. Hein. Oh, je ne sais pas. Ouais, c'est lui. Allez, faut qu'on cogne dessus là. Ok, choper le joueur en premier là-haut. Qu'est-ce qu'on peut sortir en boost? Batterie, on a un peu de bouffe, vite fait. On a de quoi recharger du bouclier, encore de la bouffe. Ah, il m'a rendu ma boule de cristal. Ok. Ok, ok. Bon, j'ai que de la recharge, j'ai rien d'hostile. Ok. Donc, vas-y, c'est parti. C'est vraiment ses habiletés qui vont... ses compétences qui vont... Et là s'il se régène, il se régène encore. Bon, tu me diras pendant qu'il se régène il fait rien d'autre. Hein. J'ai l'impression qu'il copie les moves du doc en fait. Mais arrête de nous soigner là, tu lui fais presque rien comme des dégâts. Mais pourquoi le portail est devenu subitement très nul? Il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai raté quelque chose? On m'a pas prévenu d'un truc là. Pourquoi il est devenu très nul le portail? Ah, d'accord, là il vient de se réveiller. Ok, intéressant. Allez, il lui reste un PV, pas de dodge, pas de... Je dégage, merci. Un tutti frutti essence. Ouais, ça rentre des conneries. Des HP et des SP de 50%. Ok. Il move tous les aspects négatifs de la cible. Ah, c'est beau ça, c'est pas mal. C'est cool. Donc, super génial, j'ai fermé un portail, c'est trop bien. Bravo à moi. Passe des choses. Ah non. Ah non. Moi je me suis pas soigné, alors fais pas un fight hein. Pour tabasser 3, j'en tabasserai que 3 parce que on n'a plus de points, on n'a plus rien. Ah bah tabasse le truc.
c'est pas le sommet de la solidité les machins. C'était très mignon, c'était cool hein. Trop bien, je suis trop content que t'aies réussi à m'empoisonner. Maintenant tu crèves, tu dégages. Quoi ? Mais t'as combien de PV ? 119 ? Ah oui quand même. Peut-être un peu sous-estimé le quota de PV. De crit, ça picote les yeux, non? Allez, dégage. Bon, c'est bon, ils sont nettoyés, tes gadjous. Toujours pas. Alors, moi, je vais retourner là d'abord. C'est mignon, parce que c'est pas que je t'aime pas, mais. Merde. J'ai mis ce click head, hein. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, le soin, c'est aussi un écran de chargement. Finalement, un temps de chargement pour un temps de chargement, est-ce que c'est pas un temps de chargement? J'ai envie de se poser cette question. Un petit item à aller chercher, un petit coffre. On va chercher une boîte. Non, je là, t'es content de les ouvrir les boîtes parce qu'elles t'apportent vraiment quelque chose. Voilà, la boîtasse. Une carte au trésor en fait qui nous donne le coffre. Ok, blindax 41 HP, 56 HP, 56 HP 2 fois, 56 HP 3 fois, 26, tu prendras du 41, beaucoup d'initiative, un bonus aux dégâts. Ah, t'es dommage critique. Ah ouais, donc en fait, toi, il faut que je te booste ton crit, hein. En fait, c'est à toi qu'il faut booster le crit, puisque tu génères beaucoup de dégâts en critique. Et 3% de critique, c'est quand même le bloc 40 barres du siècle. Ah. Ouais. Le problème, c'est que j'ai absolument besoin qu'elle joue en premier. Je les trouve bien équilibrés comme ça, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête plus. Je pourrais peut-être les focus vraiment sur un truc, mais ils sont pas mal non plus. Hein. Ah. Voilà. Tu nous recolles un combat là? Bon, j'avais pas envie de me retaper un fight. C'est rigolo, on me demande si je veux me retaper un fight quand même. Hein. En gros. Durian. Tout should be the scientific use to get the shape just right. Mais j'en sais rien, mais ça. Ah, c'est très joli. Il y avait écrit pan dedans. Du coup, c'était rigolo. Du tachyon anti-téléphone. Ah, moi, je suis d'accord. Les téléphones, c'est de la merde, ça fait chier le monde. Bonjour. Quoi? Encore?
Ah, tu nous emmerdes avec ton portail de ces morts. Nous emmerde avec son portail de ses morts en vrai. Hein. Soit qu'on l'aime pas, mais il nous les brise. Hein. Paf paf pif paf pouf paf pif paf pif paf 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 pif paf 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 paf. C'est la fin de la mission. Nice, bravo. Et ben voilà. Du coup, un level 20. Voilà, c'est beau. C'est beau. On finit sur un petit Dafty qui passe level 20 et un Knarfank qui vous dit au revoir et qui vous dit à la prochaine. Des bisous.